Eh bien, écoutez, ravi de vous accueillir ici, cette conférence de presse intersyndicale, donc au matin même des mobilisations. Donc, il y a ici la NEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, qui est représentée. Et puis après, je vais laisser aussi les autres se présenter. Donc, il y aura l'ISNAR, Réagir, la CSMF, la FMF, MG France et le SML. Je vous laisse vous présenter. Je vais enchaîner. Du coup, Raphaël Préneau, président d'ISNAR IMG, donc la structure nationale représentant les internes de médecine générale. Voilà, je suis ravi de pouvoir être là pour cette conférence de presse intersyndicale. Bon, bonjour, Élise Frey, je suis la présidente de Réagir. On est le syndicat qui représentons les remplaçants, les installés depuis moins de 5 ans et les chefs de clinique et assistants universitaires de médecine générale, c'est-à-dire ceux qui suivent la fin des études et sont directement concernés par d'éventuelles mesures coercitives. Nous sommes donc ravis de présenter nos solutions alternatives. Ça doit être à moi, je pense. Bonjour, Franck de Villeneuve, je suis le président de la CSMF. Et moi aussi, Philippe Vermech, président du syndicat des médecins libéraux. Et Luc Ducanel, président des généralistes de la CSMF. Agnès Gianotti, présidente de MG France. Corinne Le Soder, présidente de la Fédération des médecins de France. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Donc, pour les journalistes présents, on commencera par une première intervention des structures jeunes, la NEMF, l'ISNAR IMG et Réagir. Et puis, on laissera après la parole au syndicat professionnel et on aura ensuite un temps d'échange et de questions-réponses tous ensemble. Je vais partager mon écran. Vous voyez tous? C'est parfait. Très bien. Donc, comme je disais, donc, bienvenue à cette conférence de presse intersyndicale. C'est un événement qui est déjà assez intéressant hein, de réunir comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 structures représentatives des jeunes futurs médecins et aussi des syndicats professionnels. Si on est tous réunis, je pense, ensemble avec cette conférence de presse, et on a également pu faire des communiqués de presse ensemble, c'est parce que on partage des valeurs et puis aussi une crainte commune pour l'avenir de notre système de santé, mais aussi de la profession de médecin. Donc, pour le première partie sur futurs jeunes, donc très rapidement au niveau des trois structures jeunes, donc il y a la NEMF qui représente donc, les étudiants en médecine de la première à la sixième année, l'ISNAR IMG, qui représente les internes de médecine générale, donc de la 7e à la 9e année, et puis Réagir, qui représente les remplaçants et installés, et aussi jeunes universitaires, de moins de 5 ans. Donc là, c'est une fois que les études sont terminées. Très simplement, on a la formation initiale, les internes de médecine générale qui sont entre formation et exercice, hein, puisqu'ils sont très majoritairement en stage à l'hôpital ou en libéral, et puis ensuite les syndicats professionnels. Alors du côté de la NEMF, je vais commencer, on a publié, ou en tout cas on dévoile, on profite de cette conférence de presse pour dévoiler les résultats de notre état des lieux qu'on a nommé attractivité de la médecine générale, de l'exercice en France et impact sur le bien-être étudiant qui sera publié tout à l'heure à la fin de la conférence de presse. Cet état des lieux, on l'a publié sur nos réseaux sociaux mardi dernier, donc il a couru pendant une petite semaine, il a récolté plus de 6600 réponses auprès des étudiants de la deuxième à la sixième année, et bien qu'on s'attendait à des chiffres assez alarmants, on ne s'attendait tout de même pas à des chiffres tels qu'ils sont. Donc, il a été, bien sûr, hein, ces chiffres-là, je le rappelle, mais effectué aussi dans un contexte de au contexte politique dans lequel on est, hein, de quatrième année de médecine générale et aussi de fortes tensions autour de la régulation à l'installation. Donc,
Première partie, hein, cet état des lieux, on va avoir la paractivité de la médecine générale avec la 10e année d'études qui est présentée. Parmi les étudiants qui, en tout cas, parmi les étudiants dont le premier choix était la médecine générale, il y en a maintenant près d'un sur deux, donc 54% précisément, qui remettent ce choix en question et 7,7% qui abandonnent totalement la possibilité de choisir cette spécialité. Donc on a une perte d'attractivité qui est vraiment majeure pour la médecine générale et qui est assez inquiétante en termes d'accès aux soins pour le futur. Parallèlement, parmi les étudiants qui enseignaient ou qui envisageaient la médecine générale sans que ce soit forcément leur premier choix, il y a 50% d'entre eux qui abandonnent totalement la possibilité de choisir la médecine générale pour métier. Et donc, au-delà d'une perte d'attractivité de la médecine générale, c'est aussi une perte d'attractivité de l'exercice en France, un exercice médical en France qui va, en tout cas, on a déjà des chiffres et il faudra que ça se concrétisera sans doute, mais un exercice médical en France qui fait fuir de plus en plus les étudiants. On est dans une situation de pénurie médicale et de soignants à l'échelle à minima européenne et même mondiale, et donc cet exercice à l'étranger, tout le monde en fait recrute des médecins et avec parfois des exercices qui sont même plus attirants. Et donc on a aujourd'hui parmi ceux qui souhaitaient devenir médecin généraliste, 54% qui réfléchissent de plus en plus à exercer hors de France et même 5,3% qui sont sûrs d'exercer hors de France alors qu'ils n'étaient que 1,8% avant toutes ces annonces. Parmi les autres spécialités, on a aussi de plus en plus de personnes qui envisagent d'exercer à l'étranger. On est à près de 57% et 3,5% qui sont sûrs d'exercer hors de la France. Et donc, cet état des lieux va aussi plus loin que uniquement l'attractivité de la médecine générale et de l'exercice en France, puisqu'il évalue aussi le bien-être étudiant, la santé mentale et l'impact toutes ces annonces-là sur une santé mentale des étudiants qui était déjà dégradée. Je réfère à l'enquête santé mentale jeunes médecins qu'on avait réalisée avec l'ISNAR-IMG et avec l'ISNI, les internes en 2017 et en 2021, avec des chiffres également alarmants. Et donc, cet état des lieux montre qu'on a plus de 4 étudiants sur 5, donc 80%, qui ont l'impression de ressentir plus d'anxiété ces dernières semaines-là, donc ce qui est assez énorme, et ce ressenti est pour 80% plutôt lié, ou 92% même plutôt lié, ou entièrement lié au contexte. Donc on a une vraie corrélation entre cette dégradation du bien-être et les dernières annonces. La santé mentale, ce n'est pas que l'anxiété. Quand on leur demande d'évaluer l'impact que toutes ces mesures les propositions ont sur le bien-être des étudiants en médecine, on a 35% qui estiment que leur santé mentale est plutôt mauvaise ou mauvaise, contre 20% avant ces annonces-là. Donc on a vraiment un changement d'humeur et de comportement aussi qui est ressenti. Et ça, on le voit avec ces chiffres-là, qui sont des chiffres qui permettent d'évaluer la dépression, et on a 57% qui ont du mal à voir le bon côté des choses, 66% qui ont moins de motivation à travailler avec ces annonces-là. Et puis surtout, un étudiant sur trois qui a pensé à arrêter ses études dans les dernières semaines. Donc cet état des lieux est le témoignage d'un profond mal-être des étudiants en médecine. Et cette situation est le résultat de mesures gouvernementales vraiment superficielles qui n'améliorent ni l'accès aux soins, ni la formation des futurs médecins. Et donc, notamment, celle de la 4e année de médecine générale, c'est une de ces mesures que nous, on estime superficielles. Elle reflète aussi, dans les étudiants en médecine, l'accumulation de situations qui sont inacceptables et qu'on dénonce. Puisque ce n'est pas uniquement la 4e année qui crée ces chiffres-là. C'est une accumulation de choses. Il y a forcément les conditions de vie, avec la précarité qui est très importante, il y a la santé mentale qui est dégradée depuis longtemps, il y a les conditions de travail à l'hôpital qui sont dégradées, il y a les réformes qui se mettent mal en place ces dernières années. Et tout ça fait une accumulation de choses qui dégradent en fait la santé mentale des étudiants. Et forcément, que quand on voit que notre système de santé, ou même hospitalier, est aussi épuisé, et que les étudiants
et internes tiennent à bout de bras ce système hospitalier épuisé, forcément qu'il y a ces deux données qui sont intimement reliées. Si l'un ne va pas, l'autre n'ira pas non plus. Les soignants ne peuvent pas se sentir bien dans un système qui ne va bien. Même si, on irait là-dessus, on pourrait avoir un regain d'optimisme par des parlementaires avertis qui préféreraient améliorer leur système de santé, on voit plus des parlementaires qui souhaitent se concentrer sur leurs intérêts électoralistes plutôt que d'avoir de vrais changements. Et donc, nous sommes assez inquiets pour le futur et ces chiffres de cette enquête-là, on les pressentait, à ce point-là, non, mais qui, en tout cas, objectivent notre ressenti. Donc voilà pour cette enquête-là. Il vous sera envoyé à 10h20, le dossier de presse charté avec tous les graphiques tout à l'heure. Et donc là, maintenant, je vais laisser la parole à l'ISNARI MG, puis à réagir, on est en accord hein, complet sur nos positions et qui dériront plus d'autres positions à la quatrième année et à la mesure de régulation à l'installation. Merci, Elle. Donc, effectivement, je me représente rapidement Raphaël Préneau, président d'ISNARI MG, la structure qui représente les internes de médecine générale. Je vais me concentrer sur ma courte intervention sur la mesure de la quatrième année de médecine générale qu'on voit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais aussi dans plusieurs propositions de loi issues du Parlement. Pour nous, il y a un vrai souci hein, avec la réforme qui est en train de se passer. Il faut savoir que la quatrième année de médecine générale, elle était incluse dans une réforme du troisième cycle passée en 2017 et que si elle n'est toujours pas d'actualité aujourd'hui, c'est que bah, finalement, c'est qu'il n'y a pas de projet pédagogique à installer derrière cette quatrième année. On le sent, la volonté est politique derrière de dire qu'on fait quelque chose sur de l'accès aux soins. Et ce n'est pas vraiment la formation des internes de médecine générale qui intéresse les parlementaires et le gouvernement dans les projets. Je suis de retour, je pense. Malheureusement, le gouvernement et le Parlement le savent très bien, mais maintiennent Est-ce que je vous ai retrouvé ? C'est bon. C'est des contre-appels. Ce sera délétère hein, sur l'accès aux soins. Ça n'aura aucune efficacité déjà, mais ce sera délétère. Comme le disait Yael, il y a une vraie perte d'attractivité de la médecine générale qui va se dérouler et qui empêchera de remplir nos postes de formation comme c'était le cas auparavant. Ça ne fait que 2 ans que la médecine générale remplit ses postes. Et on va se retrouver avec des centaines d'internes de médecine générale formés en moins tous les ans et donc des centaines de médecins généralistes qui ne seront pas sur le territoire pour soigner des patients dans quelques années. On a un vrai problème d'encadrement au cours de cet internat. On a aujourd'hui environ 12 000 maîtres de stage universitaires pour nous encadrer sur nos stages en ambulatoire. La réforme telle que présentée par le gouvernement et les parlementaires, elle introduit aujourd'hui le doublement des stages en ambulatoire, on passerait de 2 à 4 semestres, mais sans doublement des maîtres de stage universitaires. On sait donc que les conditions de réalisation de cette quatrième année se feront dans des conditions extrêmement précaires, que ce soit sur le plan financier, puisqu'il n'y a pas de revalorisation du statut prévu, mais aussi sur le plan juste d'encadrement, puisque par le texte qui introduit la notion de supervision par quelqu'un du bassin de vie, des internes vont se retrouver seuls dans des locaux supervisés uniquement par des médecins qui pourraient être à une quinzaine, vingtaine de kilomètres tout ça en faisant des consultations toute la journée payées comme un interne c'est-à-dire environ 2000 euros net par mois à Bac plus 10 voilà, il y a un vrai problème derrière ce projet et au-delà de ça même au cours de nos études on a un vrai problème de manque d'enseignants pour nos cours théoriques. Il faut savoir que nous avons normalement
26 journées de cours par an qui doivent être délivrées aux internes de médecine générale. Il y a un tel manque d'enseignants que dans plus de la moitié des facultés françaises, on a même pas 50% de ces cours qui sont réalisés. On a des facultés même qui réalisent 2 à 3 journées de cours par an. La réalité des faits, c'est que cette quatrième année, elle va augmenter les effectifs des étudiants de un tiers et que c'est vraiment quelque chose qui va être délétère au long cours et on se demande si effectivement, il n'y aurait pas déjà possibilité d'avoir une optimisation de ce qui se fait sur les 3 premières années hein, et d'avoir surtout un regain de nos enseignants et des conditions, des conditions d'enseignement qui soient correctes avant de penser à d'augmenter les effectifs d'étudiants d'environ 33%. Et je finirai aussi sur une phrase ou deux sur la coercition à l'installation et les mesures de régulation à l'installation qu'on entend beaucoup parler. Je le rappelle systématiquement, mais ce sont les chiffres de l'assurance maladie. Les médecins généralistes sont les professionnels de santé les mieux répartis sur le territoire, devant même d'autres professions de santé qui ne sont qu'une liberté d'installation, qui ont une régulation à l'installation. Ça montre bien que cette régulation à l'installation, ça ne fonctionne pas. En plus, pour les professionnels médicaux, ça n'a pas fonctionné à l'étranger quand ça a été utilisé. Ça ne va faire qu'aggraver la perte d'attractivité de la médecine générale. Le déficit déjà numérique énorme que nous avons sur le territoire français de médecins généralistes. Je vais laisser la parole à Élise de réagir pour qu'elle vous présente nos solutions en termes de formation d'accès aux soins. Merci beaucoup Yaël et Raphaël pour vos présentations. Je rappelle qu'en effet, nous avons construit ces présentations et ces solutions tout à fait ensemble. Donc, nous partageons cette inquiétude des patients et de nos confrères et consoeurs concernant l'accès aux soins. Je rappellerai juste quelques chiffres. Nous sommes actuellement 90 000 médecins généralistes. Il en faudrait le double. Par conséquent, accuser différentes tranches de l'exercice de ne pas vouloir en faire assez ou d'être même responsable de l'état des lieux aujourd'hui, c'est faux. Nous ne sommes pas assez, nous ne serons pas assez avant un certain temps, mais au lieu de dresser ce constat alarmant et de renvoyer la responsabilité à ce qui s'est passé depuis 20 ans, bien que nous pourrions le faire, nous choisissons de vous montrer aujourd'hui comment nous pouvons essayer de faire au mieux aujourd'hui et de construire la médecine de demain. Donc, la stratégie globale, il y a des mesures à court, à moyen et à long terme. Je vais être très brève car nous les avons déjà exposées dans notre colloque d'accès aux soins. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Pour nous, il faut améliorer la formation des étudiants dans les territoires. Ça, c'est un fait. Ils y sont déjà, ils n'y sont peut-être pas suffisamment et pas avec les moyens qu'il faut. Il faut donc améliorer les conditions de transport et d'hébergement de tous les étudiants en santé sur le territoire. Peut-être même le privilégier, si c'est possible et si les conditions de seniorisation sont réunis dans des territoires sous-dotés de façon à faire découvrir ces territoires aux étudiants. Ça passe par leur faciliter donc l'hébergement et le transport pour que la contrainte financière et de temps ne pèse pas sur leurs études. Vous voyez déjà qu'en fait, une quatrième année où on enverrait des gens non expérimentés, sans seniors, dans des bassins de vie qui ont été désertés depuis des années, n'est ni pédagogique, ni la mesure la plus adaptée pour résoudre l'accès aux soins à nos patients. Je rappelle que les territoires sous-dotés existent dans 87% du territoire français, que c'est à nous, médecins généralistes, qu'incombe la responsabilité des premiers soins, des soins de premier recours, mais que nous avons besoin, pour bien soigner nos patients, bien les suivre, d'un système de santé construit autour, avec des spécialistes qui ne sont pas de la médecine générale, des professionnels de santé qui ne sont pas des médecins, des kinés, des infirmiers, des hôpitaux de proximité, et que donc, vous voyez bien que des patients avec des pathologies chroniques et complexes ne sauraient se passer de médecins traitants, c'est vrai. Mais quels médecins traitants auront-ils avec des étudiants qui changeraient tous les 6 mois, voire un an, qui auraient des cas complexes à résoudre sans senior sur place, avec une personne qui peut-être les encadrerait, mais moi je ne sais pas encadrer des patients dans un autre bassin de vie, c'est déjà suffisamment complexe
de soigner les miens et surtout, lorsque j'ai un SASPAS avec moi ou un interne de niveau 1 déjà dans mon cabinet, d'assurer une seniorisation qui permette à l'interne de s'améliorer et surtout aux patients d'être bien soignés. Par conséquent, actuellement, si les conditions de seniorisation ne sont pas garanties, les universitaires de médecine générale non seulement sont furieux, mais sont inquiets pour leurs jeunes confrères et consoeurs. Il n'est pas acceptable de construire une quatrième année sur de l'anxiété, sur du burn-out, sur un risque suicidaire et sur un accès aux soins dégradé pour nos patients. Comment fait-on ? On essaye de construire des projets pédagogiques dans les cabinets qui existent en tenant compte de tous les étudiants qui sont là. C'est-à-dire que actuellement, tous les projets de santé qui se construisent doivent prévoir le fait d'accueillir éventuellement un externe, un ou plusieurs internes. Nous construisons ceci en bonne intelligence avec les territoires, c'est-à-dire que si des maisons de santé ou des cabinets doivent voir le jour, ça doit être en intelligence avec le terrain, avec des communes qui peuvent s'impliquer pour de nouvelles constructions, ou bien aider ceux qui sont déjà présents dans les territoires à construire des cabinets en bonne intelligence entre les générations et adaptés aux besoins du moment. Pour accompagner les projets professionnels, nous proposons que ces moyens de territoire soient regroupés, c'est-à-dire que tous les acteurs qui travaillent déjà soient regroupés dans un guichet unique. Et là, je parle de la faculté, de l'université, des syndicats, du Conseil de l'Ordre, de la Caisse départementale d'assurance maladie, des instances pour les démarches libérales et bien sûr des collectivités territoriales. Il faut que les étudiants, les internes, les remplaçants, les jeunes installés, ceux qui sont déjà installés et ceux qui envisagent de partir et sont inquiets pour la continuité des soins, puissent avoir un endroit où ils se rencontrent et où ils construisent des solutions en continuité. Ensuite, il faut continuer à favoriser l'exercice coordonné interprofessionnel, c'est-à-dire qu'il faut favoriser le travail entre les professionnels de santé, mais en tenant compte du rôle de chef d'orchestre qui est celui de médecin généraliste et en tenant compte des besoins et des souhaits de s'engager des acteurs des territoires. Soutenir les professionnels en exercice, c'est savoir qui ils sont et ce qu'ils font. C'est-à-dire, on soutient les étudiants, on soutient les internes, on soutient les remplaçants, on soutient les jeunes installés, on soutient ceux qui sont déjà installés depuis un moment et qui savent comment construire des solutions, comme mes collègues vont le dire tout à l'heure, et ceux qui vont partir à la retraite et auxquels parfois on demande un effort supplémentaire. C'est ça, soutenir les professionnels en exercice. Et soutenir les professionnels en exercice, c'est les consulter. C'est-à-dire, on ne les convoque pas pour 3 minutes à l'Assemblée nationale en acceptant vaguement d'entendre ce qu'ils disent et on pond ensuite des textes coercitifs qui ne tiennent compte de rien de ce qu'on a dit. L'expertise du terrain, elle sait quoi faire. L'expertise du terrain, elle a tenu le système de santé à bout de bras pendant la crise sanitaire et elle continuera à le faire. Et aujourd'hui, si nous sommes dans les rues de Paris, c'est pour la quatrième année, c'est pour les plus jeunes d'entre nous, c'est pour ceux qui vont venir, mais c'est aussi au nom de ceux qui sont déjà là, c'est ceux qui ont été là et ceux qui acceptent d'être encore là alors qu'ils auraient tous les droits de dire maintenant j'ai donné et j'ai assez fait. Donc je suis très ferme aujourd'hui parce que notre exercice de la médecine générale, c'est un exercice qui se construit du début des études à la fin de l'exercice. C'est une continuité solidaire, comme c'est mentionné dans notre serment d'Hippocrate. Et maintenant, ça suffit d'opposer les médecins aux patients, de dire que certains ne veulent pas assez faire et que d'autres consomment trop. Il y a d'autres façons, en fait, de continuer à bien soigner ensemble. Et donc, la mesure que nous proposons aussi et qui est immédiate, c'est d'agir sur la demande de soins, mais pas en disant aux patients « vous ne savez rien faire, vous consultez trop, vous êtes trop anxieux, vous nous embêtez ». Non, nous voulons agir immédiatement sur les demandes administratives abusives, c'est-à-dire les certificats qui ne servent à rien. Et alors là, il y en a une flopée et ça fera une touche d'humour. Certificat pour jeux aux échecs, pardon, certificat pour des sports alors que ce n'est même pas dans une fédération, des certificats pour autoriser de donner du Doliprane aux enfants, des certificats comme ça vient de sortir à Strasbourg de permettre à des gens d'avoir un panier bio. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, nous voulons agir sur des demandes de soins abusives pour permettre aux patients de ne pas consulter pour ça. Et ce que nous demandons, c'est qu'il n'ait pas besoin de nous consulter pour des arrêts de courte durée qui peuvent autodéclarer, qu'il n'ait pas besoin de nous consulter à chaque fois qu'on doit modifier quelque chose pour la maison départementale du handicap. Renforçons les mesures là où il faut qu'elles soient, à la MDPH, pour les médecins scolaires, pour la médecine du travail, et cessons les faux besoins administratifs.
Voilà, et dans le long terme, nous pouvons aussi faire de belles campagnes de prévention et de communication pour mieux éduquer la population dans les lycées. Mais aujourd'hui, ce en quoi nous croyons, c'est construire des solutions de proximité avec les territoires et tous les acteurs. Merci de nous avoir écoutés. Merci Elise. Bonjour, du coup, je suis Émeric de la NEMP et je m'occuperai de la modération pour la suite des débats. Donc, je vais laisser les syndicats professionnels dans l'ordre alphabétique, comme il était décidé, de faire un point. Vous avez 10 minutes au total. Essayez de respecter le temps de parole, que l'on puisse après avoir des questions. Donc, dans l'ordre, ça sera CSMF, FMF, MG France et SML. À vous la parole. Oui, donc, je commence avant de laisser vite le ballon à Luc, parce que la maison santé brûle et les politiques regardent ailleurs ou regardent avec des solutions qui ne nous vont pas. C'est ça le souci. Et on voit bien les mots qui ressortent de ce que vous, l'un de nos confrères, à différents stades de votre formation ou de votre début d'exercice, c'est confiance, c'est attractivité et c'est moyens. Sur la quatrième année, notre positionnement est clair, on est à vos côtés. La quatrième année, si elle devait avoir lieu, elle ne peut pas être autre que professionnalisante, adaptée au projet professionnel du médecin, et certainement pas d'envoyer des médecins tout seuls dans des déserts médicaux. C'est inacceptable, c'est dangereux, tant pour le professionnel que pour la population à soigner. Finalement, c'est le meilleur moyen de pousser les plus jeunes de nos confrères à fuir à toutes jambes cet exercice-là, comme ça a été indiqué. En quelques mots, oui, mais il y a un lien avec les négociations en cours, il y a un lien avec le PLFSS, il y a un lien, en fait, jeune et moins jeune que nous représentons. Et très clairement, nous sommes, si on doit parler convention, une convention ambitieuse qui doit nous donner les moyens de répondre à l'accès aux soins. Oui, on est favorable, non seulement favorable, mais il est urgent, mais non seulement pour la médecine libérale, mais pour la médecine hospitalière aussi, dont on sait qu'elle est en souffrance, même si c'est moins notre cœur de métier, en tout cas nous, les syndicats de médecins libéraux. Mais oui, de trouver les moyens rapidement d'une attractivité de ces professions. On voit combien c'est en tension dans tout secteur, et en médecine libérale, c'est absolument catastrophique. Et non aux solutions faciles, politiciennes, sénateurs, gouvernement aussi, tendent de nous mettre en face des yeux avec des mesures qui sont coercitives, avec des mesures où on nous brandit des conventionnements sélectifs, où on nous brandit la menace d'une médecine sans médecin, ou encore hier, n'est-ce pas Luc, dans le bureau de la ministre Germaine Le Bodo, on nous brandit le « mais de toute façon, je suis là pour vous protéger parce que les concitoyens français envisagent une médecine différente où on va switcher le médecin et on n'aura pas besoin du médecin ». Eh bien non, Madame le ministre, nous ne partageons pas ça et nos concitoyens veulent un médecin, mais veulent aussi d'autres professionnels de santé dans une coordination. Et ça, ça nécessite donc confiance, attractivité et les moyens nécessaires. Et pour l'instant, ces mots-là n'y sont pas. Peut-être si tu veux compléter mon propos. Oui, je vais juste compléter Luc Duquesnel. Le ministre de la Santé a l'habitude de dire que 87% du territoire français manque de médecins généralistes, mais c'est 100% du territoire français qui manque de médecins traitants. Donc, c'est donc une opposition à toute mesure coercitive qui non seulement va être inefficace, comme ça a été dit précédemment, et ça serait donc que des mesures démagogiques, voire populistes, mais surtout, et on le voit au travers des sondages qui ont été faits, ça va entraîner une diminution du nombre d'internes qui choisiraient la médecine générale. Et concernant cette quatrième année, très clairement, nous sommes opposés à toute quatrième année qui amènerait à envoyer dans les déserts médicaux, là où il n'y a plus de médecins depuis 2, 3, 4, 5 ans, comme le veulent les parlementaires, dans des déserts médicaux. Un travail doit être effectué avec les étudiants et les internes, un, sur l'intérêt, sur le contenu, sur la faisabilité d'une quatrième année d'internat en médecine générale qui devra être, dans ce cas-là, ambulatoire et qui devra être professionnalisante. Merci et bravo, bravo aux jeunes. Donc, je vais prendre la suite. Donc, Corinne Le Sauder, Fédération des médecins de France, qui est un syndicat polycatégoriel. Donc, moi, je suis très fière de mes jeunes, je suis très fière d'entendre ce qu'ils disent, je suis très fière de voir l'avenir vis-à-vis d'eux et en même temps très triste de pouvoir penser que le plus beau métier du monde, qui est celui de médecin, va être
quitté par beaucoup de gens qui sont motivés, qui ont travaillé énormément, qui ont laissé beaucoup de leur temps de jeunesse. Et donc, je trouve ça déplorable. Nous sommes aussi opposés à cette quatrième année de médecine parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on a fait un beau paquet cadeau et dedans, on doit mettre quelque chose, une quatrième année de médecine, mais on ne sait pas quoi. Le gouvernement est habitué, hein, il a déjà fait ça pour beaucoup de choses et donc je trouve ça complètement aberrant. Nous sommes contre le fait d'envoyer des jeunes dans ces déserts médicaux parce qu'effectivement, c'est l'endroit le plus difficile pour travailler parce qu'en fait, on manque de professionnels de santé et puis reprendre des dossiers qui sont très complexes parce que souvent, c'est des personnes âgées, ça devient compliqué. Et en plus, quid de la responsabilité à la fois de l'interne, à la fois de professionnel de santé du médecin qui va le superviser et quid aussi de la couverture sociale, parce que ça c'est quand même quelque chose d'important et il faut y penser parce que en fait derrière chaque étudiant en médecine, derrière chaque médecin, il y a un être humain qui a une vie propre et qui doit le faire. L'avenir n'est pas dans les anciens, l'avenir n'est pas chez les retraités actifs. C'est triste de voir que l'avenir de la médecine, c'est 12 000 ou 13 000 médecins qui sont âgés de plus de 67 ans. Et ça, ce n'est pas normal. L'avenir est à nos jeunes. Il faut laisser les jeunes parler. Il faut aussi laisser parler tous les gens qui sont installés. Et Dieu sait si on a fait du super boulot lors du Covid et qu'on continue à en faire parce qu'on essaie de prendre le maximum de personnes, mais à un moment donné, on ne peut plus parce qu'il n'y a plus assez de monde. Et je pense qu'il faut pas créer d'inégalités et créer surtout une attractivité et laisser et écouter les médecins et savoir que la médecine, c'est par et pour les médecins et que le médecin restera toujours le chef d'orchestre. Il est hors de question de pouvoir faire une médecine sans médecin. À chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Merci. Donc, Agnès Gianotti, présidente de MG France, d'abord, vraiment, les jeunes, bravo pour vos interventions et votre constat. Nous partageons absolument tout ce que vous avez dit, chaque mot, chaque ligne. Le sujet, on parle de quatrième année, il ne faut pas oublier que c'est une dixième année d'études, et non pas parce que mon quatrième année, dans les médias et dans la presse, à mon avis, ne reflète pas le fait que c'est 10 ans d'études pour arriver à être médecin généraliste traitant, parce que c'est vrai que c'est un métier compliqué. Donc, sur le principe, les gens n'étaient pas contre, mais à condition qu'il y ait du contenu, qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait des locaux, qu'il y ait des conditions. Or, rien de tout ça n'a été fait. Et donc, c'est une réforme qui a été faite pour des effets d'annonce et effectivement dans un but d'affichage politique de mesures à court terme, d'accès aux soins. Or, le sujet n'est pas l'accès aux soins. Ce n'est pas les jeunes ni la profession qui va payer des mauvaises décisions depuis des années de politique de court terme. Et on voit que ça continue, c'est-à-dire que toujours dans une logique de court terme, les mesures qui sont prises actuellement risquent de vraiment entraîner des conséquences délétères pour la santé de la population, vraiment pour l'avenir en France et à long terme pour le coup. Donc, il faut faire très attention, il y a un virage en ce moment qui est pris avec des risques pour la santé des Français et pour l'avenir du système de soins qui ne sont pas du tout négligeables. Le contexte, c'est un contexte où on a besoin des jeunes qui sont là et qui se sont exprimés. On en a besoin. Il faut leur donner envie de s'installer. Et qu'est-ce qu'on voit? Que des mesures qui les font fuir. Donc, c'est dramatique. On devrait voir un choc d'attractivité pour la profession de médecin traitant, parce que c'est ça dont on a besoin. On a déjà 40% des généralistes qui n'exercent pas comme médecin traitant. Et ça va continuer si on fait peser encore sur les généralistes et eux seuls, car cette quatrième année, rappelons-le, concerne les étudiants en médecine générale, pas les autres. Donc, les contraintes, c'est toujours les généralistes, qu'ils soient étudiants ou après. On voit fleurir les mesures, les propositions de mesures les plus farfelues au Sénat comme à l'Assemblée sur des contraintes de tous ordres, mais ce ne sont que des contraintes et que sur les généralistes. Donc forcément, ça va faire fuir les gens, ça va faire fuir ceux qui sont installés, ça va faire fuir les jeunes. C'est le contraire qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on voit? Donc ces histoires de contraintes et aussi du perte de sens de la profession. C'est-à-dire que il y a des tentatives de contournement du parcours de soins et de négation du rôle du médecin généraliste traitant qui fait perdre le sens et l'identité professionnelle et qui vont entraîner des risques pour la santé de la population qui ne sont pas négligeables.
On veut travailler avec les autres professions, mais on veut travailler en coordination, en coopération avec toutes les autres professions. Il y a une complémentarité des savoir-faire et des compétences, et il est hors de question que les compétences de médecin généraliste traitant soient niées. S'il y a 10 ans d'études, c'est bien parce qu'il y a des compétences spécifiques dans la prise en charge globale des patients. Et ça, il est hors de question qu'on nie cette réalité. Et c'est ça qui explique cette colère partagée entre les jeunes et les professionnels en exercice. On nie la réalité de nos compétences, on nie les besoins que la population a de notre intervention et du rôle du médecin généraliste traitant et du parcours de soins. Donc, ce mépris qu'on a vu dans le Clio, qu'on voit dans la PPL RIST, le projet de loi qui consiste à ouvrir l'accès direct sans aucune concertation avec le médecin traitant et qui dérégule le système de soins. Il y a des choix à faire des politiques. On les a alertés pendant 15 ans, 20 ans sur l'histoire du numerus clausus. Ils ne nous ont pas entendus, on est dans le mur. Et maintenant, c'est comme si c'était nous les coupables, alors que c'était des choix à courte vue des politiques. Il risque de se passer la même chose. C'est-à-dire que là, on alerte, on dit attention pour la santé de la population, c'est le système de soins solidaire. On ne veut pas de médecine à deux vitesses, une pour les pauvres sans médecin et une pour les riches avec médecin. Ça, c'est hors de question. On a des valeurs partagées entre les professionnels et les jeunes. On veut un système de santé solidaire. On veut des systèmes de soins cohérents, sécurisés pour la santé de la population avec les autres professionnels en concertation. Donc, s'il vous plaît, nous faisons appel au pays, attention aux mesures de court terme qui risquent de faire tomber le système de soins pour l'avenir en France et de faire tomber le système solidaire que nous avons aujourd'hui. Oui, bonjour, Philippe Vermeche. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Agnès sur les contraintes. Donc, ça fait 30 ans qu'on a des contraintes qui augmentent tous les jours et là, on en rajoute deux autres. Hein, la quatrième année et la coercition dont on voudrait nous affubler. À partir de là, la quatrième année, tout le monde semblait d'accord il y a quelques années pour que ça soit d'actualité, que ça se fasse, mais pas dans n'importe quelle condition comme c'est proposé aujourd'hui. Je vous rappelle que de la fenêtre du syndicat des médecins libéraux, on a toujours proposé de nombreux stages en libéral depuis la troisième année, et donc l'internat pendant les trois ans, les trois premières années, nous ce qu'on veut c'est un stage chaque année de six mois donc, dans le libéral. Par contre, la quatrième année, ce n'est pas le moment que les jeunes aillent dans des déserts médicaux tout seuls. Puisque comme il a été dit, si le maître de stage est à 20 à 30 km, c'est quand même très compliqué. Nous prenons que ces jeunes rentrent dans des cabinets de groupe et qu'on fasse jouer la solidarité intergénérationnelle et que dans ces cabinets de groupe, ils soient traités non pas comme des internes et des étudiants, mais comme des associés, de façon à ce qu'ils aient un salaire décent et qu'ils aient la présence à côté dans ce cabinet de groupe de seniors qui pourraient les soulager lorsqu'ils ont un problème médical à régler. En échange, ces seniors contre des honoraires plus motivants, on va dire, donc iraient, eux, dans les déserts médicaux. Ça, c'est une solidarité intergénérationnelle qu'on prône. Ensuite, sur le problème de la coercition ou le conventionnement collectif, ce qu'il faut bien voir, et ce que personne ne dit, c'est que, hormis le fait que ça va partir les jeunes à l'étranger ou dans le salariat, mais en aucun cas dans la médecine générale, vous aurez aussi une limitation des cabinets de groupe ou même d'un médecin tout seul qui veut s'associer avec quelqu'un de façon, avec une activité qui augmente. Donc, on risque en plus de paupériser le tissu médical existant où il marche encore un petit peu. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un ensemble. Le problème de la quatrième année, c'est les jeunes qui sont concernés. Et donc, et je les remercie donc pour leurs actions, mais c'est surtout leur affaire. Nous les soutenons entièrement, mais et que ça ne doit pas se faire donc, en les laissant tout seuls donc dans des déserts médicaux. Merci à vous. Du coup, il nous reste une vingtaine de minutes pour faire les questions. Du coup, je vous invite à, pour poser une question, à mettre le nom de votre média dans le chat, ainsi qu'à qui vous adressez la question. On a reçu actuellement deux questions dans le chat, du coup, je vais vous les lire. Donc, je pense que la dernière était pour votre intervention, Philippe. Pouvez-vous donner un ou deux exemples de cette tentative de contournement et des risques encourus? Voilà, c'est tout. Je pense que c'était peut-être plutôt pour moi, non ? Les contournements du médecin traitant par l'accès direct. Je peux vous donner l'exemple de l'intervention dans Egora de Pascal Mathieu, la présidente de l'Ordre des kinés, qui disait
Voilà, je suis kiné, je vais voir un patient parkinsonien à domicile qui est tombé. Je vois que son syndrome parkinsonien est majoré, donc je pourrais tout à fait l'adresser directement au neurologue. Voilà, à défaut de médecin traitant, c'est tout à fait dans mes compétences. Là, dans un exemple comme celui-là, on a une perte de chance majeure pour le patient dans une démarche de cette nature. D'abord, il n'y a pas de diagnostic global de la cause de la chute du patient. Est-ce qu'il a un problème intercurrent aigu? Est-ce qu'il a une décompensation d'une autre pathologie chronique parce qu'il n'est peut-être pas que parkinsonien? Est-ce qu'il prend ses médicaments? Est-ce que l'aide à domicile vient le voir? C'est-à-dire que la médecine générale, c'est la prise en compte de la globalité de la situation du patient, aussi bien somatique que psychosociale. Et ce diagnostic n'est pas fait dans l'intervention en silo par une profession de santé. Effectivement, si le syndrome parkinsonien a augmenté, il peut y avoir des tas de raisons, des interactions médicamenteuses, des non-prises de traitement, d'autres infections. Et donc, dans ce cas-là, en plus, en sachant qu'un rendez-vous en neurologie, c'est 6 mois plus tard, d'abord, le médecin généraliste est tout à fait en capacité de changer les doses, mais déjà, il va faire un bilan pour comprendre la cause de la dégradation de la santé du patient. Donc là, s'il y a orienté quelqu'un dans un système de soins, ça impose de faire un diagnostic de situation et de ne pas raisonner en silo. Et ça, c'est la spécificité de la médecine générale. Et imaginez qu'un pharmacien, un kiné, un infirmier, sans concertation avec la prise en charge globale du médecin traitant, adresse lui-même au second recours, c'est vraiment des pertes de chance majeures pour les patients. Ok, merci. On a une autre question de Décision Santé d'Arnaud Jana. Avez-vous le soutien des syndicats de médecins hospitaliers? Oui, absolument. Du coup, j'ai mis la liste des syndicats hospitaliers qui nous soutenaient dans le chat. Donc, oui, ce soutien est partagé. Une autre question. Je rappelle juste que vous pouvez poser éventuellement des questions à l'oral si vous le souhaitez. Du coup, une autre question du quotidien du médecin. Du quotidien du médecin. Combien de personnes attendez-vous à Paris et comment va se passer la suite de la grève? On attend, la dernière fois, on était 4 000 personnes à Paris, 4 000 étudiants et internes réunis, près de 10 000 en France. On attend au moins autant de personnes, si ce n'est plus, au vu de la colère qui a augmenté avec la façon dont s'est déroulé le PLFSS, la plus révélateur, de nombreux 49.3. La suite de la mobilisation, ça dépendra également des annonces faites du ministère, de la façon dont va se passer la deuxième lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat du PLFSS. Actuellement, nous avons un préavis de grève illimité et donc ça ne nous empêchera pas d'appeler à la grève, continuer à appeler à la grève par la suite. Une question de l'APM. Est-ce que vous avez un rendez-vous avec le ministre prévu d'aujourd'hui? Alors, nous serons reçus avec l'ISNARI MG et avec l'ISNI au ministre de la Santé tout à l'heure, donc cet après-midi. Alors, je ne sais pas si on n'a pas la confirmation que le ministre sera présent, mais j'espère bien au vu de la situation. Une question du généraliste, quelles sont les prochaines actions que vous envisagez, syndicats jeunes et seniors, et quel est l'objectif que vous recherchez in fine? Voulez-vous l'abandon de cette 4e année? Je vais me faire juste porte-parole des syndicats jeunes. Raphaël, tu pourras compléter si tu veux, réagir aussi. Mais je pense pas que soucis, vas-y. L'objectif final, c'est l'abandon de la 4e année de médecine générale, puisque voilà, c'est inefficace, c'est contre-productif, ça n'a aucun sens. Et puis la deuxième partie de la question, c'était... Ah oui, donc au niveau des syndicats professionnels, eh bien, je laisse les autres répondre. Il y a un mouvement assez large, hein, qui se prépare le 1er et le 2 décembre, si les autres veulent faire des réponses assez courtes. On a mis ensemble ce qu'on appelle les vendredis de la colère. Donc là, ça se passera plus dans les cabinets et en région. Et dans les cabinets médicaux, il y a des actions avec des affiches, en direction des patients, parce que c'est vraiment une problématique qui concerne aussi les patients. Voilà. Et donc, beaucoup d'actions en région, intersyndicales aussi, dans le cadre des vendredis de la colère. Et puis on appuie, beaucoup de syndicats, quasi tous d'ailleurs, appuient les mouvements de grève du 1er et 2 décembre. Médecins pour demain appuie aussi le mouvement des jeunes, hein, puisque j'ai vu passer
une affiche qui vous appuyait. Donc, en fait, je pense que... Et donc, il va y avoir vraiment des grèves très suivies dans ces deux jours. Hein, et je pense que ça dénote vraiment le ras-le-bol de tous les professionnels, de tous les médecins, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Hein, et donc, ça montre vraiment qu'il faut faire quelque chose. Parce qu'effectivement, comme le disait Agnès tout à l'heure, c'est tout le système français qui est en train de se casser la figure. On est en train de détricoter tout. Le parcours de soins, le rôle essentiel du médecin qui, effectivement... à beaucoup d'années d'études, on pourrait se poser la question pourquoi est-ce qu'on est en train de créer une 10e année d'études alors qu'on veut donner la médecine à des bacs plus 3 voire, ou plus 5. Donc il y a vraiment un détricotage. Si on veut revenir aux officiers de santé, mais qu'on le dise directement, mais ça c'est vraiment un rétropédalage et vraiment une baisse vraiment de la qualité de soins, parce qu'il faut parler aussi de la qualité de soins, il faut parler de nos patients, parce qu'on n'en parle pas assez. Nos patients nous soutiennent, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être là tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, effectivement, les grèves vont se poursuivre et on espère vraiment, grâce à ce soutien et grâce à toute cette mobilisation, faire quelque chose. Il est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui se heurtent, ce que disait tout à l'heure Franck, c'est-à-dire il y a le PLFSS là, qui passe en deuxième lecture avec des choses complètement aberrantes. Et on a réussi quand même à faire supprimer l'article 44 en espérant qu'il ne revienne pas avec l'extrapolation. C'était pour vous montrer aussi le mépris et l'humiliation qu'on pouvait faire aux professionnels de santé. Et puis donc, pouvoir donner aussi cette possibilité avec les négociations conventionnelles pour enfin donner une attractivité à l'exercice de la médecine en France, l'exercice libéral. Parce qu'on rappelle que le premier et second recours, c'est en libéral, et le troisième recours, l'hôpital, doit être réservé vraiment à tout ce qui ne peut pas être fait en milieu libéral. Voilà. Merci Corinne. Une question du QDM pour Yael à la NEMF. Avez-vous demandé aux jeunes quels sont les critères sur la quatrième année qui les inquiète le plus, plutôt une année d'études supplémentaires, la coercition ou l'incertitude? Alors dans l'enquête, cette question n'a pas été clairement demandée. Sur la quatrième année, ce qui les inquiète le plus, c'est la quatrième année, c'est le projet global. Des retours qu'on a, en tout cas, c'est le projet global qui pêche, c'est que cette quatrième année, ils savent qu'elle est inefficace. C'est vraiment une mesure superficielle. Et donc, le projet, ils le rejettent. Et ensuite, les modalités d'application, ils les rejettent d'autant plus. Donc l'incertitude, c'est une source de stress qui est énorme, notamment vu des dernières réformes d'études de santé, et la coercition d'autant plus. Et là, le stress est aussi largement partagé quand ils voient les possibilités de leur exercice futur, parce que la quatrième année, c'est une chose, c'est une année de leur formation. La coercition, c'est possible, que ce soit pour tout le reste de leur carrière. Une question de l'AEF Info. La conférence des doyens de médecine s'est exprimée il y a 2 semaines en se montrant en faveur de la réforme, avec notamment la mention à une mission pour construire cette nouvelle année. En avez-vous des échos? Je vais répondre la première fois et puis après, j'essaierai la parole à Raphaël. Mais pour nous, la mission, oui, a été lancée. Très bien, elle a été lancée au même temps que le PLFSS s'était déposé. Et donc, la mission, ce n'est pas un espace de négociation pour nous. C'est un espace d'application d'une réforme que l'on ne souhaite pas. On ne peut pas aborder les questions de fond avec eux, si ce n'est la mise en application et puis se rendre compte que leur projet et le projet n'est pas abouti et qu'on va avoir des dilemmes profonds. On doit leur poser la question du nombre de maîtres de stage, d'enseignants, il n'y a pas de réponse. Donc, ce n'est pas un espace de négociation pour nous. Effectivement, je me permets de compléter. C'est d'autant plus, ça ne peut pas être un espace de concertation puisque le texte sera déjà voté. Tout simplement, on ne peut pas discuter de comment se appliquer une réforme alors qu'elle est déjà votée. Il y a un vrai problème là-dessus, et c'est comme ça qu'ont été faites toutes les réformes de médecine ces dernières années, que ce soit la réforme du second cycle, où il y a encore des textes d'application qui manquent pour les étudiants qui auront leurs examens dans moins d'un an. La réforme de PASLAS, où je n'ai pas besoin de m'étendre, et tout le monde sait que c'est catastrophique en termes de mise en application, mais on refait la même chose avec la quatrième année de médecine générale, dixième année de cursus, et on peut pas se répéter dans nos erreurs systématiquement. On veut de la concertation avant qu'il y ait un texte de loi qui soit adopté. Merci, Raphaël.
On avait une question de Marie-Georges pour Egora. La grève est-elle pour une durée illimitée? Elle a été répondue. Du coup, oui, le préavis de grève a été déposé pour une durée illimitée. Question de l'AFP. Que dites-vous de l'amendement gouvernemental ouvrant exceptionnellement la possibilité de stage en ambulatoire? Bien, cet amendement, c'est une avancée, mais ce n'est pas une victoire. Ça a été compliqué de l'avoir, ça a été beaucoup de négociations. C'est un petit peu permettre d'ancrer un petit peu plus ce projet dans la réalité du terrain, hein, et dans les volontés de professionnalisation des futurs jeunes médecins qui ne veulent pas forcément faire de l'ambulatoire, mais il y a aussi des médecins généralistes qui veulent exercer en spécialité de périphérie, par exemple, et ils sont nécessaires pour l'accès aux soins. Donc ensuite, il n'est pas encore passé au Sénat, il a été refusé par le Sénat, à voir ce qui se passe ensuite en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Raphaël, si tu veux compléter. Raphaël. Oui, cet amendement qui a été porté par le gouvernement, comme le dit Gaël, il répond à une de nos revendications, mais c'est largement insuffisant. On a pu le montrer dans nos différents mouvements de grève, ce n'est pas un seul point d'incertitude qu'il y a, c'est tout le problème, tout le projet de cette quatrième année, quid des maîtres de stage, quid du statut, quid de la rémunération, quid des médecins thésés avec nous dans les lieux où nous serons en stage, ben on n'a pas de réponse. Et ce n'est pas avec seulement ce type d'amendement que la colère des jeunes médecins en formation pourra se réduire. Merci. Une question du quotidien du médecin pour Raphaël. Que pensez-vous d'une quatrième année rémunérée à l'acte? Il me semble qu'il y a plusieurs années, l'ISNAR est en faveur d'une rémunération autour de 20 à 30 actes par jour. En fait, l'ISNAR IMG et les internes, de manière plus globale, ils n'ont jamais demandé cette quatrième année, qu'on soit clair. C'est une demande de nos enseignants depuis une quinzaine d'années. Mais en 2017, avec la réforme du troisième cycle qui a été appliquée, on nous a dit qu'il y aura une quatrième année. Donc depuis, on réfléchit aux modalités d'application et comment ça pourrait être le moins délétère pour les internes. C'est très important de remettre au centre le fait que les internes n'ont jamais demandé cette quatrième année. Et effectivement, dans ces modalités-là, pour nous, si on veut avoir un caractère de formation et professionnalisant et faire une passerelle vers la suite de l'exercice et notamment l'installation, il serait intéressant d'avoir une formation terrain à la gestion d'un cabinet libéral, notamment via une tarification à l'acte. Une question d'Egora pour Yaël et Raphaël. Les doyens se sont opposés à cette rémunération à l'acte pour la quatrième année par souci d'équité avec les autres spé. Comment réagissez-vous? Je vais répondre et après il y aura réagir qui veut réagir. Ça prouve et ça montre l'impréparation de cette réforme, des dilemmes très complexes qu'on n'arrivera pas à résoudre en quelques semaines. Et donc, c'est simplement un aveu de faiblesse de l'ensemble des acteurs pour bien montrer que cette quatrième année n'est absolument pas prête. Et que, il y a un souci d'équité, c'est évident. La solution, aujourd'hui, nous, on ne l'a pas, puisqu'on n'en veut pas, et qu'on sait que c'est sans doute très compliqué à résoudre. Caroline. Donc Caroline, je suis médecin généraliste et je suis chargée d'accès aux soins pour réagir. La mission, on a été auditionné aussi par la mission qui a été pour cette quatrième année. La rémunération à l'acte, les doyens étaient opposés, sauf que, comme vient de le dire Raphaël, ils veulent une année professionnalisante, sauf qu'ils veulent que les internes restent salariés. Sauf que, la majorité des internes en médecine générale finiront en libéral. Et si on la veut vraiment professionnalisante, autant les confronter à l'exercice libéral pour ceux qui le souhaitent, peut-être, enfin ceux qui ne le souhaitent pas et qui préfèrent et qui savent que leur projet pro est salariat, dans ce cas-là, ils restent en salariat. Mais ceux qui savent que leur projet pro est du libéral, il faut que cette année, elle soit professionnalisante. Donc, il faut qu'ils soient confrontés à tout ce qui est inhérent à l'exercice libéral, que les doyens ils soient opposés. C'est un non-sens, et comme vient de le dire Yaël, c'est montre encore une fois que c'est une coquille vide, cette quatrième année. Il n'y a pas de projet pédagogique, il n'y a pas de projet professionnalisant, alors qu'il la balance à toutes les sauces, ce terme. Et nous, réagir, on est,
on est très en colère. Le souci d'équité par rapport aux autres SP, mais les autres SP, nous, on gère la médecine générale, on ne gère pas les autres SP. Donc après, j'ai envie de dire, chacun son problème sur ce point-là. En tout cas, en médecine générale, cette quatrième année, si on veut vraiment qu'elle soit professionnalisante, il faut qu'une la majeure partie soit libérale, parce que la majeure partie des étudiants seront des médecins généralistes libéraux. Raphaël. Oui, je voulais juste faire un rajout. Nous, à l'ISNAR IMG, vis-à-vis de ce problème d'équité, on propose un statut qui soit applicable à tous les docteurs juniors étant en stage ambulatoire, qui soit applicable notamment à toutes les autres spécialités. Et ce problème d'inéquité, quand on sait qu'on a des spécialités qui ont des stages en ambulatoire, elle serait quand même tout à fait atténuée. Je pense qu'il ne faut pas, il faut pas être aveugle sur le fait qu'il y a d'autres spécialités effectivement et qui vont travailler en libéral et en ambulatoire et que eux aussi pourraient bénéficier d'un statut similaire. Une question du quotidien du médecin. Quand on parle d'encadrement sur le bassin de vie, concrètement, il s'agira d'un encadrement téléphonique. Chez qui exercera l'interne si le MSU est dans un autre cabinet? Je pense que Raphaël, tu peux éventuellement répondre. Ah, à moins que... Agnès, tout à fait. Agnès. Raphaël, Agnès. D'abord, et juste, je voudrais intervenir sur les locaux. Oui, on a eu des échanges avec le ministère sur le sujet. Ils envisagent tout à fait qu'un interne soit seul dans des locaux pas forcément adaptés dans des territoires, avec une supervision téléphonique dont on ne connaît même pas la fréquence. Est-ce que on peut s'imaginer que l'interne soit supervisé une fois par semaine alors qu'il est tout seul, livré à lui-même dans des locaux qui ne sont pas adaptés, et en plus on ne connaît même pas la distance avec le médecin le plus proche? C'est quelque chose qui est extrêmement vague et surtout très dangereux en termes d'application pour la suite. Donc moi, je voulais intervenir sur les locaux, parce qu'accueillir les étudiants dans de bonnes conditions, ça veut dire avoir des locaux pour le faire. Or, les locaux, c'est une des problématiques vraiment importantes en ce moment, quand on voit le développement qu'il va être nécessaire de faire des équipes de collaborateurs qui vont travailler avec les médecins généralistes traitants, à savoir les assistants médicaux, les infirmières azalées, les IPA, et qui doivent être au cabinet. Et on rajoute les étudiants, ça se passe éventuellement en quatrième année. Donc, à l'heure actuelle, la problématique des locaux n'est pas du tout réglée, parce que les cabinets n'étaient pas pensés avec ces gens à accueillir, ces diverses professions à accueillir et ces étudiants à accueillir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec les territoires et avec les élus. Là, on aura besoin d'eux pour autre chose que des contraintes. Il faut absolument qu'ils aident les médecins en exercice à pouvoir accueillir et les collaborateurs et les étudiants. Élise, je te laisse la parole. Oui, j'espère. La dernière question. J'espère que ça marche le son, parce que je suis en mouvement vers Paris. Oui. Donc, ravie de l'apprendre. Je voulais aussi compléter par le fait que qu'est-ce qu'un maître de stage encadre aujourd'hui? Le problème, c'est surtout aussi qu'une quatrième année sans recrutement massif de maîtres de stage, c'est en fait aussi pénaliser ceux qui sont déjà sur le terrain. Quand vous êtes un maître de stage qui encadrait déjà un interne de niveau 1 et de niveau 2, parfois vous ne pouvez déjà pas accueillir un externe, alors que ça aurait tout son sens. Donc, vous rajoutez une quatrième année quand les sources officielles disent « oui, c'est bon, on est 11 000 maîtres de stage ». Oui, mais on est 11 000 ou 12 000 qui tenons déjà à bout de bras et qui avons du mal avec les étudiants actuels. Vous nous rajoutez une quatrième année, vous allez mettre à contribution ces gens-là qui ne savent déjà plus où donner de la tête d'encadrement pédagogique, et le risque, c'est de moins bien encadrer que ce soit ceux qui existent déjà et ceux qui risquent de se construire dans le futur. Juste peut-être un tout petit mot en complément. N'oublions pas qu'il y a 8 fois moins d'enseignants pour la médecine générale que dans les autres spécialités par étudiant. Corinne. Oui, ce que je voulais rajouter, c'était vraiment, ça démontre qu'il y a un problème de sécurité sanitaire, puisqu'effectivement, l'étudiant sera... D'ailleurs, sera-t-il étudiant, puisqu'on nous a demandé, quand on a été reçus... tous là pour parler des quatrièmes années de médecine, où on nous disait que ce serait un médecin junior, donc il faudrait qu'il soit thésé dans les 3 premières années pour pouvoir être déjà thésé quand il sera en quatrième année, donc en 10e année de médecine générale. Mais ça pose un problème de sécurité,
Parce qu'effectivement, comment est-ce qu'un médecin qui sera maître de stage pourra donner des conseils alors qu'il ne connaît pas le patient, qu'il ne l'a jamais vu et qu'il ne le verra même pas si jamais c'était par téléphone ou même par téléconsultation? C'est très compliqué. Et donc, ça, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est un problème de responsabilité. Et c'est vrai que par rapport aux jeunes étudiants, comment est-ce qu'il pourra s'en sortir alors qu'il sera livré à lui-même? Parce que ça devient gravissime, parce qu'il y a vraiment un danger, un problème de responsabilité, un problème de sécurité sanitaire et un problème de qualité de soins. Et pour nous, c'est inadmissible de pouvoir envoyer, j'allais dire, entre guillemets, au casse-pipe des jeunes. On fait exactement la même chose avec l'éducation nationale, où on envoie en ZEP des jeunes qui débutent leur carrière et qui d'ailleurs souvent décrochent. Et encore là, ils sont regroupés parce que dans l'école, il y a d'autres professionnels qui peuvent les aider. Mais là, ça sera des étudiants ou du coup des jeunes médecins, des médecins juniors qui seront livrés à eux-mêmes. Par ailleurs, je confirme que nous, à l'FMF, on est pour effectivement un paiement à l'acte, peut-être même un système de salaire de base avec un paiement à l'acte, pourquoi pas? Parce que c'est pareil, il faudra quand même qu'ils aient une couverture sociale qui soit adaptée. Et quelle sera la couverture sociale? Idem, après, ça posera énormément de problèmes administratifs. Ils exerceront en leur nom, au nom de la personne avec laquelle ils partagent, donc avec le MSU, quid des feuilles des cartes professionnelles, quid de tout cela, et ça sera très compliqué. Voilà ce que j'avais à rajouter. Merci Corinne. Je vais laisser Mireille. En tout cas, merci beaucoup pour cette conférence de presse. On va pouvoir conclure, j'ai une autre réunion qui m'attend. Et puis en tout cas, un grand merci à tous. On sera à partir de 14h avec Bisnari MG Disney et puis un bon nombre aussi des syndicats professionnels présents à Place du Panthéon pour une marche jusqu'au ministère de la Santé. On reste tous disponibles pour répondre à vos questions a posteriori. Et puis bonne journée à tous. Merci. Merci.